界のベイビーたちよ。ご機嫌いかがかな。懐かしのカラクラ町で麗しきミステリアスレディロカジョウと出会った私が、カラクラ防衛隊のニューフェイスたちと悲しみを乗り越え絆を紡ぎ、バッドスピリッツに抗ったハートフルかつスピリチュアルなストーリーをユーたちに届ける時がやってきた。私のブレイブがユーたちのソウルに響くことを願っているぞ。危機に陥った時、人生に迷った時、遠慮なく私の名を呼んでくれたまえ。スピリッツ、ああ、フォーエバーウィズユー、カミングSalut à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle VOD sur Binge Brave Souls. La prochaine collaboration Spirits Are Forever With You fait de nouveau entendre parler d'elle. Ça faisait plusieurs mois effectivement qu'on attendait quelques petites informations un peu plus précises que le petit teasing qui nous avait été fait l'année dernière. Depuis ce matin en effet c'est le cas, vous avez vu là en intro le petit trailer que vous avez normalement dû voir si déjà vous avez démarré votre jeu au moins une fois dans la journée. Bon, à ceci près que normalement vous avez vu ce trailer en français. Pour accompagner ces quelques images, on a bien sûr quelques news in-game qui sont arrivées dans le même temps. Pour le moment il n'y a rien de bien précis, mais vous le savez, avec ce genre d'annonce et connaissant K-Lab, il faut parfois savoir lire entre les lignes. Comme indiqué effectivement dans cette première news, le partenariat avec le roman de Ryogo Narita, Spirits Are Forever With You, débute enfin. Vous pourrez ainsi profiter d'une nouvelle histoire ainsi que de nouveaux personnages. Donc là déjà, rien que sur ce second paragraphe, on apprend en effet qu'un nouveau story mode va faire son apparition dans quelques temps, au même titre que nous avons déjà pu l'avoir avec les précédentes collaborations, et bien sûr tout cela va s'accompagner d'une nouvelle fournée de personnages spécifiques à cette collaboration, comme ça a été le cas là aussi avec toutes les précédentes collabs. Pour le moment, tout cela ne relève que du teasing, les plus grosses patates chaudes arriveront par la suite. Un site spécial a bien sûr été créé pour l'occasion, ça avait déjà été le cas également avec des collaborations précédentes, on a notamment tous en tête le site créé dans le cadre de la collaboration avec Kenfer Your Own World. Je ne saurais que trop vous conseiller bien sûr de cliquer sur ce lien et de consulter justement le site, puisque celui-ci va vous faire entre autres choses une petite présentation des personnages, bon certains que vous connaissez déjà, je pense que Don Kanonji niveau introduction c'est bon, mais ensuite on a certains persos qui sont vraiment spécifiques à la collab. Vous avez le nom, la preview des persos ainsi qu'un petit descriptif du lore qui les accompagne, et tout cela ça mine de rien son importance puisque étant donné que là il est question d'une collaboration effectivement avec Spirits Are Forever With You, possiblement tous les personnages que nous voyons dans cette liste là sont des persos qui pourraient un jour intégrer BBS. Il faut bien comprendre de toute façon que Spirits Are Forever With You fait la part belle effectivement aux anciennes générations de Kenpachi. Vous avez respectivement ici le 7ème, un petit peu plus haut, le 8ème, oh là qui m'échappe, et bien sûr Kenpachi Zaraki, le 11ème. Lors de la première présentation, d'autres personnages nous avaient été montrés à ce moment-là. Là pour le moment, le site nous présente surtout les personnages qui sont les piliers, on va dire, de tout le lore autour de Spirits Are Forever With You. Mais pour tous ceux qui sont un petit peu extérieurs à cet univers, vraiment, je vous conseille de le regarder. C'est un bref résumé concernant chacun des personnages, concernant la situation générale du roman, mais au moins ça pourra vous donner déjà un peu de contexte. Ensuite, la news se termine donc sur un petit descriptif effectivement concernant le lore de Safui. Ce même résumé que de toute façon on va retrouver sur le site que vous venez de voir à l'instant. Mais du coup, suite à cela, eh ben, plus rien. Voilà, pour le moment, ça s'arrête ici. Mais comme je le disais en début de VOD, effectivement, maintenant avec K-Lab concernant ce style de collaboration, il faut savoir parfois lire entre les lignes, ou tout du moins essayer de deviner ce qui peut se glisser entre deux lignes. Vous le savez, en règle générale, lorsque K-Lab nous fait ses annonces concernant la sortie des futurs personnages, en général, cela se passe 3 jours avant la date de sortie. On a toutes les infos in-game concernant les compétences, les statistiques, s'accompagne maintenant un petit format vidéo tout nouveau qui est disponible également sur leur chaîne YouTube depuis quelques loteries, mais à chaque fois, invariablement, le planning de parution de la loterie et des informations reste exactement le même. Il subsiste cependant quelques exceptions, et ces exceptions se font notamment au moment où il y a des grosses loteries, des grosses thématiques qui débarquent, où là en général, K-Lab sait très bien travailler sa communication et commence le teasing avec un peu d'anticipation. En effet, par le passé, il est déjà arrivé que K-Lab propose des informations concernant la sortie de futures loteries avec plus d'une semaine d'avance. À partir du moment où il s'agissait vraiment de grosses collaborations, on a déjà vu ça notamment dans le cadre des loteries Guerre Sanglante et certaines loteries romans. La loterie de fin de mois est prévue pour sortir ce mois-ci le 31, et aujourd'hui nous sommes justement à 10 jours tout pile de la sortie de cette loterie. Est-ce que K-Lab ne serait pas tout simplement en train de travailler le fameux teasing que j'évoquais à l'instant? Pour ma part, je faisais partie des personnes qui se disaient que Spirits Are Forever With You pourrait arriver sur le jeu pour accompagner le 6ème anniversaire de Binge Brave Souls. Mais là, le fait que subitement ces informations arrivent comme d'un fait exprès à exactement 10 jours de la fin de mois, suite à toutes ces loteries, toutes ces tentations qu'on a pu avoir pendant plusieurs semaines depuis le mois de mars, rappelez-vous qu'on avait quand même hâte à un moment donné de se dire mais que ça va être quoi la conclusion de tout ça, tellement on a enchaîné
enchaîné les grosses loteries avec des grosses thématiques, des grosses tentations à chaque fois de vouloir lâcher des orbes par milliers. Et là, subitement, à 10 jours de la fin de mois, on a ce genre de petite info qui pop dans le jeu avec les petits trailers bien travaillés, etc. proposés sur YouTube et sur le jeu lui-même. Je suis pas devin, loin de là, j'aurais même tendance à dire que je suis pas très doué dans cet exercice. Mais encore une fois, si tu lis entre les lignes, ça commence à faire beaucoup trop de successions de choses qui font que peut-être que ça fouille, ça attendra certainement pas l'anniversaire du jeu. J'insiste bien sur le peut-être parce que je vous rappelle que l'ensemble de la news, le trailer, le site internet, y a rien qui précise de date concrète pour le moment, pas la moindre info concernant une parution immédiate ou quoi que ce soit. Après, les plus anciens savent comment Kellab fait monter la sauce, hein. On commence par donner des informations assez vagues, puis plus on approche de la date fatidique, plus ces informations deviennent pointues et précises. Donc j'ai envie de vous dire, on commence aujourd'hui, 21 mai, avec ce genre de choses, ok, on garde ça dans un coin de notre tête. Si effectivement sa fouille est bien prévue pour débarquer sur la fin du mois de mai, on devrait avoir des informations plus précises, peut-être d'autres teasers, d'autres trailers, des modèles 3D plus précis, des créations, ce genre de choses. Tous ceux qui se sont montrés prudents effectivement concernant la dépense d'orbes sur les dernières grosses tentations de loterie que Kellab nous a mis sous le nez, vous avez peut-être eu raison finalement. On a plus longtemps à patienter, on verra d'ici la fin du mois si effectivement on a eu raison de se retenir autant et de ne pas céder à toutes ces tentations. Tentation qui d'ailleurs a pris un nouveau tournant, bon ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais moi en l'occurrence quand je vois que Kellab à partir de demain nous ressort la loterie Machine Society V2 avec Mashiro, Yoruichi, Nemu, et que comme par hasard cette loterie vous avez vu elle est dispo que du 22 au 28. Très étonnant le 28, vous savez c'est normalement la date dans le mois à laquelle on est censé avoir les news pour la loterie de fin de mois, marrant quand même des fois les coïncidences. Pour l'instant, patience et prudence sont de rigueur. On va attendre de voir ce que Kellab nous réserve. Si effectivement c'est bien prévu pour la fin du mois, on devrait voir d'autres choses apparaître dans un avenir proche. Est-ce qu'à votre avis, ça sent bon pour la fin du mois de mai? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une information qui pop comme ça sans vraiment grande signification? Vous avez le champ commentaire à votre disposition sous la VOD. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de votre avis et de vos impressions. Je vous rappelle également que vous avez trois liens très importants en description. Le lien de la chaîne Twitch sur laquelle on stream quotidiennement. Le Twitter qui est mon réseau social de prédilection. Et Insta pour l'IRL qui pop de temps à autre. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être sûr de ne rien rater des futures sorties. Petit pouce bleu également si la vidéo t'a fait plaisir et que tu as envie d'aider un maximum à la visibilité de la chaîne. Un grand merci à tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, je vous souhaite de passer une agréable journée et un très bon week-end à venir, et je vous dis à très vite pour la suite. La bise à tous mesdames, messieurs, à bientôt, au revoir.